suis parti sur Pokémon Stadium. Et normalement, si je ne me trompe pas, ça devrait être un Lucas, évidemment, comme moi. Et ça partirait sur un Steve, sur l'autre. Allez. Allez, c'est parti. Lucas contre Steve. Faut savoir que Nikros a affronté ma affronté tout à l'heure, donc Lucas, le match a été laborieux, mais on va dire que c'est le premier Lucas, donc c'est-à-dire moi, a été un entraînement. Allez, c'est parti pour un enchaînement de Piqué Fire qui va annoncer la couleur au Steve, qui va prendre la sauce. Allez, déjà 85%, 95%, attention la gel qui peut rapidement tuer à tout moment. Et Steve pour le moment qui va essayer de faire ses combos. Attention, on repère du côté de Steve qui peut faire très mal à tout moment. Et oh, les grappes ne marchent pas des deux côtés. Et oh, attention le Zakaire. En attendant, j'ai deux spectateurs qui me regardent. Bonjour. Fire qui va tuer et oh, il a manqué le gel de feu qui pouvait tuer instantanément. Et attention, oh, il a manqué de peu le backer ou le donner qui pouvait spike. Et attention, monsieur Steve est passé alors et il ne sert à rien parce que il est mort. Allez, pour le moment, monsieur Nadis va devoir faire des dégâts au maximum pour conserver son avance. Et monsieur Nitros n'entend pas cette oreille, mais ce sera rapidement déjà forcé par Nadis qui va prendre le devant. Attention. Attention le Stro. Ah, le smash de vague. Oh. Bon, ça. Bon, première vie perdue pour le Lucas qui a largement l'avantage sur le Steve. Il va pouvoir. Le tout frame qui l'a tué. Oh, ça fait mal. Allez, c'est parti. Les combos de Steve qui va essayer pour essayer de revenir dans la danse. Et Nadis qui va faire des fers, des piqué fire, des grabs. Fer qui n'a pas connect. Attention, upper. Enfin. Pas trop. Et oh là là, oh, ça va pas marcher. Oui, formidable. Oh le, ça risque de faire très mal, ça risque de faire très mal. Attention. Oh, il aurait pu faire un smash, mais ça n'a pas marché. Attention. Ah, il est pris dans ma carte. Et le spike. Ouh. Ah, j'ai mal. Ah, j'ai mal. Bravo monsieur Tech. Écoutez, ce sont deux athlètes méritants avant tout. Ok, merci. Alors, c'est parti. 1-0 pour monsieur Nitro. Allez, c'est parti. C'était vachement dommage pour Nadis parce qu'il menait durant la première partie et bon, malheureusement il a perdu la game sur un tout frame. C'est parti sur Antony City qui va d'ailleurs je sais pas qui est-ce qui a l'avantage sur ce terrain, mais faudrait qu'on me dise, ou sinon faudrait que je m'en renseigne. Mais à mon avis, ça doit plus être Steve qui a l'avantage. Attention! Et attention, déjà 67% à tout moment, ça peut partir. Rien qu'un spike de Steve, ça peut l'envoyer valser. Et attention, le minecart, entre les minecarts, les smash qui peuvent être faits à tout moment. Oh! Allez! Qui a déjà l'argent là pour le moment et qui peut faire très mal pour le moment et qui juste. Oh, il est déjà passé au diamant. Oh, j'avais pas vu. Excusez-moi.
pour le moment, le Lucas qui sait pas trop quoi faire quand même. 132% là, ça fait super mal quoi. À tout moment, il peut se faire éjecter. Et puis ça. Puis perd une considérable avance. Pour le moment, le Steve essaye de faire des smashs, essaye de l'envoyer vers d'autres cieux, mais ça n'a pas marché. Ça ne marche pas pour le moment. Étant donné les. Qui fait. Et le Stro qui tue. À très haut pourcent quand même. Et Nutros qui se hésite. Et là pour le moment le match est reset là pour le moment avec les deux qui étaient à 0% maintenant 47-64% c'est pour l'instant c'est even. On va voir ça. Qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui te fait rire Even et Will? Attention. Allez. Attention le film qui peut faire mal. Surtout. Oh. Oh là là. Ah c'est bon. Ah c'est vrai, ça fait. Ah j'ai mal. Non mais je suis pour toi Nadis, mais vas-y gagne. Taisez-vous s'il vous plaît. Parce que j'ai fait un jeu de mots avec un. Ah oui évidemment je. Bah peut-être que je l'ai pas vu hein. Ah oui Steve est carré. Oui exactement. Je ne l'avais pas vu. En plus t'as rigolé à ta propre blague quoi. Allez c'est parti. Attention sur 54%. Allez il doit partir le Steve. À un moment le Steve. Ouais trop bien. Trop bien. Trop bien. Maintenant on a 10. Y'a plus qu'une stock à faire partir. Plus qu'une. Et attention tu prends pas des smashs bêtement. parce que moi c'est que moi mais j'ai l'impression que ça sort très rapidement les smashs de Steve. Après ça doit dépendre de l'épée. Allez là pour le moment c'est even. Attention le. Oh allez le Stro qui est sorti et le Piqué Fire qui ne touche pas et le père qui va essayer de renverser la cadence. Ouh. Oh là là. Pour le moment Lucas c'est super. Et attention attention le mapcap peut vite tuer et c'est mort. Super c'est mort. On voit bien pour qui je suis hein. Je suis clairement pour Nadine. En même temps, Lucas c'est aussi mon personnage, donc j'ai droit d'avoir un camp. Non, c'est pas deux, c'est un. Allez, c'est parti. J'ai pas vu qui est-ce qui le. Quel terrain il prenait. Ok. C'est parti sur petit champ de bataille. Il va directement agresser EPR. Il n'a pas continué et attention le grab qui est sorti. Déjà à 48% et Lucas qui va revenir rapidement dans le match déjà même si ça n'a pas duré très longtemps. Et attention le backer qui est sorti. Il a eu chaud quand même. Hein. On aurait pu avoir les feux. Oh il a failli faire un backer. Très stylé en plus de faire un backer avec Lucas comme ça. Attention. Le père qui est sorti qui va rapidement le mettre en l'air et qui va. Et le smash qui tue. Voilà. Maintenant Nadis va devoir rattraper le retard. Il va essayer de ne pas se prendre les minecarts aussi. Et le glaçon qui ne sert à rien en plus. Qui va complètement ne servir à rien. Et pour l'instant Nitros qui en profite, il se mine et qui va essayer et qui va bien faire des
des dégâts par-ci par-là à Nadis. Et qui s'en fout de ses piquets fire parce que gros, lui tant qu'il va tant qu'il mine, ça marche. Et attention, oh le two frame qui marche. Et attention le père qui va pas marcher. Et le smash qui ne marche pas non plus. Et ça va. Et les deux se cherchent à se grave. Et l'enclume. L'enclume qui va non. C'est Disco. Bah oui, c'est moi Disco. C'est moi Disco. Monsieur Moonzouz. Bah oui, c'est Funky. Avec moi, c'est Funky. Allez. Ah, pour le moment, Nadis qui joue la prudence avec son Lucas, parce que bon, 127%, c'est super mal. Et Lucas qui veut à tout prix jouer à distance. Et qui va essayer par tous les moyens de faire des dégâts. Et le mur qui n'a pas duré très longtemps, et qui va servir pour Nitros de lui faire perdre sa vie avec ses ressources. Oui, c'est rap. Tu vas sortir tous les genres de musique, quoi. Sors, c'est tectonique aussi. Hein. La tectonique, c'est fini. Hein. Oh, Piquet Fire qui tue. Ouais, c'est Swag. Allez. Nitros qui va évidemment profiter de son avantage. Mais Nadis qui n'entend pas de cette oreille et qui va remonter largement. Et malgré le gel raté. Et qui va faire des fers, des fers. Et attention. Il y a sans doute une oreille bouchée, oui, évidemment. Et c'est bien joué de la part de Nadis qui a bloqué son grab avec sa propre snake. Allez. Et là, que va faire Nitros? C'est un mystère. Ah, ça se regarde dans le bon des yeux, là, c'est difficile et ça tue. Excusez-moi pour le bruit. Stu. Bon, bonjour monsieur.